au-delà des choses, au-delà de soi. C'est un chapeau, c'est un chapeau. Les grandes personnes, elles ne comprennent rien toutes seules. Et c'est très fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. S'il vous plaît. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît. Dessine-moi un mouton. Oh, tu sais, j'ai surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul. Je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Écoute, le seul dessin dont je sois capable, c'est ça. Viens, regarde. Mais non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. C'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Ah, c'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Oh,
ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. C'est que cette chose-là. Ce n'est pas une chose. C'est un avion. Hein? Ça vole. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel, toi aussi? Mais d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Hé, je te donnerai une corde pour l'attacher le jour. Et un piquet. Mais où veux-tu qu'il aille? Ben, n'importe où, droit devant lui. Demandez-vous pas, quel est le son de sa voix? Quels sont ses jeux préférés? S'il collectionne les papillons? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et où habite-t-il?
une planète.